L'objectif aujourd'hui, c'est d'implorer le Seigneur pour que la paix revienne au Burkina Faso. C'est une journée animée d'invocation et de prière et d'imploration à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ramène la paix chez nous au Burkina et dans les sous-régions. Dans le Saint-Coran, il a dit, quand vous avez chaud, appelez-moi, des racades et présentez vos problèmes, je vais les résoudre. Quand vous marchez vers moi, je courrai vers vous. C'est cette conviction qui nous a amenés à organiser cette journée pour implorer le Tout-Puissant pour le retour de la paix. Dans nos familles d'abord, parce que la femme est l'actrice principale de la famille, c'est elle qui gère tout. Elle doit instaurer la paix dans la famille, dans le quartier, dans la ville et dans les pays, dans le monde entier. Voilà pourquoi nous avons réuni toutes les femmes ici avec nos enfants pour qu'elles en fassent le même pas. Nous avons pu organiser cette activité sans sponsor et nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous tenons à remercier ceux-là qui ont vu l'importance de l'activité et qui ont voulu donner leur participation. Vraiment merci à eux. Hadja Oumou Koulsoum, c'est la présidente de l'Union des femmes islamiques du Burkina Faso. Mais son message qu'elle a laissé est qu'elle rêve qu'un jour elle se lève et qu'elle trouve que le Burkina Faso c'est la paix.